C'est parti, on arrive comme dans les dernières heures de ce Battle 4 et on va vivre un moment assez exceptionnel, très insolite même si je puis dire, des choses qu'on voit pas sur Twitch. C'est une enchère, une véritable enchère, on a le droit de dire ce mot uniquement lorsqu'on est accompagné de quelqu'un qui a le droit de faire des enchères. C'est notre commissaire priseur officiel, Maître Jules. Bonjour à tous, bonjour et merci de nous retrouver sur Twitch. Est-ce qu'on l'entend? Oui, je pense qu'on m'entend. On m'entendait tout à l'heure. On l'entend, je le veux dormir, bon, alors, s'il vous plaît. Super Jules, super content de t'avoir. Moi aussi, je suis super content d'être là. Moi, ça me sort un peu de ma zone de confort. Je t'avoue que d'habitude, je suis plutôt habitué à vendre des tableaux, à vendre du mobilier vintage. Mais là, c'est une première pour moi. C'est une première pour moi au Stade de France. Ah, bah ça déjà. Et tu pourras dire que t'as vendu quelque chose au Stade de France. Ça, si c'est pas la classe. C'est incroyable. Magnifique. Donc du coup, si tu veux, on va pouvoir animer ensemble ce soir-là, en direct, cette vente aux enchères qui est, je vous le rappelle, directement retransmise sur Inter-Enchères. Et là... Donc Inter-Enchères, donc c'est quoi? C'est une vraie plateforme? Inter-Enchères, c'est une vraie plateforme. Ça se passe maintenant. Vous pouvez retrouver directement sur la plateforme Inter-Enchères ce qui se passe ici au Stade de France et en direct sur Twitch. C'est dans le chat, alors. C'est dans le chat. Il faut cliquer, il faut s'inscrire si vous voulez participer. Vous vous inscrivez sur Inter-Enchères à partir de maintenant. C'est super simple. Vous rentrez votre nom, vous rentrez votre numéro de carte de crédit. Ça, c'est très important. Et comme ça, vous pourrez être avec nous directement sur la console d'enchères. OK. Alors bon, c'est simple. On laisse le temps, du coup, là, aux gens de le faire. Donc, c'est très bien. Voilà. Vous avez quelques minutes parce qu'on va s'intéresser à l'objet qu'on a à vendre. L'objet, attention, il va s'afficher sur le plan large. C'est le plan. C'est l'image. Ça y est. On y va. Est-ce que c'était prêt ou pas? C'était pas prêt, on le refait. Regarde. On est prêt. Et elle apparaît, elle est juste la borne là. D'arcade. La super borne d'arcade. Et avant de commencer la borne d'arcade, il faut quand même rappeler 2-3 choses. Bien sûr. Il faut rappeler quand même que ce soir, on est là parce qu'on va faire cette vente au profit des associations Handicap International et Premier de Cordée. Déjà, c'est quand même important et on est super. Enfin, moi, je suis super content d'être là. Et que du coup, vu que c'est une vente aux enchères caritative, les frais. Les montants de la vente sont de 0%. C'est-à-dire que ce soir, celui qui va enchérir à 100 euros, il va payer 100 euros. Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais en plus. Parce qu'il y en a sinon. Dans la vraie vie, dans le commun, dans le métier qu'on fait tous les jours, il y a évidemment des frais. Vu que nous, c'est notre rémunération, ce soir, on est là. C'est comme tout le monde ici, c'est pour la bonne cause. Exactement. Ok. Et donc, on va effectivement commencer par le premier lot de la vente de ce soir. Par Bruno Graffer, une borne d'arcade. Je te propose d'aller la voir, si t'es d'accord. Ah bah là, elle est magnifique. On peut la voir. Là, en plus, on peut demander à Mickaël aussi de venir la voir, parce que Mickaël va vous raconter un peu. On va l'accueillir. Là, regarde, elle est super jolie. Regarde ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans, parce que mais il y aura des choses dedans. Donc on a Mickaël. Mickaël qui est avec nous ce soir et qui est le fabricant du module d'arcade qui est juste là. Fabricant évidemment et le modèle a été customisé derrière par Bruno. Exactement, bonsoir déjà à toutes et tous, ça fait un grand plaisir de vous présenter la borne. Donc la borne en fait c'est une borne, c'est avant tout du coup un mobilier qui est multigaming entre guillemets. On va pouvoir jouer à plein de jeux, que ce soit des jeux contemporains, des jeux rétro. Là sur ce modèle on aura une borne qui aura 5000 jeux rétro, donc les grands classiques, Pac-Man, Sonic, Space Invaders, les grands classiques, les années 80, 90, Tetris presque jusqu'à 2000. Tetris aussi, bien sûr. On emboîte tous les PS comme il faut. On est sur un mobilier du coup, avec une gamme, avec un tiroir où on va pouvoir accéder aux prises, au branchement de la borne, pouvoir brancher d'autres choses aussi. Une PS4, on a une PS4, une Xbox, son ordinateur, on peut venir le brancher. Et en fait, ça devient un centre multigaming. Au-delà de toute la partie gaming, on a pensé la borne comme quelque chose d'éco-responsable. Oui, donc c'est avec du bois. On a du bois qui est biosourcé en France, c'est ça. Labellisé. Les boutons, l'électronique, forcément, il y a des choses qui viennent de Chine, mais en fait, on a les joysticks, les boutons qui sont sourcés en Espagne, chez le dernier fabricant encore actuel en Europe. Donc on s'efforce d'utiliser aussi une télé à basse consommation avec une réduction de plastique. Donc on essaye dans ce mobilier, dans cette borne d'arcade, d'avoir un maximum de valeur. Donc nous en fait on propose des bornes qui sont caritatives et des bornes normales et c'est un grand plaisir du coup de pouvoir travailler avec Battle 4 et proposer la borne. Et surtout, c'est pas n'importe quelle borne, parce que déjà, c'est une borne fabriquée en Europe, fabriquée avec des matériaux nobles, mais en plus de ça, celle-là, elle est customisée par et Bruno pas par n'importe qui. Alors,
Je ne sais pas si Bruno est dans le coin, s'il veut passer nous dire deux, trois mots sur ce qu'il a fait. Il est en train de discuter. Il est en train de discuter, Bruno. Il est en train de signer des autographes encore. Bruno. Bruno, si tu nous entends. Bruno ne répond plus. Bah, Bruno ne répond plus. Mais Bruno, on a besoin de toi. Bon, en tout cas, ce que Bruno m'a raconté tout à l'heure, c'est que toute la borne avait été dédicacée aussi par beaucoup de personnes présentes ici ce soir en ce moment. Bruno, nous revoilà avec toi. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement du travail que tu as fait, de tes inspirations pour la borne, des petits trucs cachés qu'on ne verrait pas de bien suite. Sûr. Mes inspirations, en général, c'est du coup l'art abstrait, forcément. Il y a aussi beaucoup de pop art et de street art par les écritures. Écritures que, du coup, j'écris le pseudo des donateurs. Donc, par exemple, il y a Loki qui m'a donné 390 euros. Du coup, forcément, j'ai marqué Loki un peu au dernier moment, mais voilà. Et du coup, il a exposé tous mes scores. Il y a des petites fleurs inspirées de Jason Naylor, il y a des cœurs inspirés aussi de Jason Naylor, les smileys inspirés de Marshmallow, les couronnes de Basquiat, et il y a aussi beaucoup de références. Elles sont où les couronnes de Basquiat Les couronnes, j'en place, par exemple, il y en a une ici. Ah ouais. Après, elles sont un petit peu cachées là, par exemple, il y en a une en bas encore. Il y a vraiment plein de détails partout. Ouais, Invader. Et plein de détails partout, à tel point que justement, dans les petits coins, j'ai marqué petits détails. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si on voit avec la caméra, mais petits détails juste là. Et je vais en ajouter justement. Rentre dans le plan, vas-y, montre-nous. Je vais en ajouter encore plein de petits détails partout. Okay. Parce que justement, ça, c'est mon kiff d'avoir des easter eggs un petit peu. Et il y a aussi plein de références au rétro gaming qu'on m'a dit. Par exemple, il y a Davy Maurier qui m'a dit d'écrire 8 bits. Du coup, j'ai écrit 8 bits ici. Et donc, c'est Davy Maurier qui a lancé cet inspi. Donc, il y a plein de petites histoires dans Il y a plein d'inspirations. Et aussi, derrière, elle est signée par tous les streamers. Ou du moins, la plupart streamers. Ouais, j'ai vu derrière. On peut pas le voir évidemment à la caméra. On peut la tourner. Pourquoi elle est sur roulette et tout là? C'est trop pratique ça à la maison ça. Bah c'est vrai que du coup on a une borne avec une double porte qui permet d'accéder par l'arrière et par l'avant. Voilà. Il y a Sandoz, il y a Hard Disk, il y a aussi une petite Marie qu'on retrouvera tout à l'heure. On a Upsilon Tattoo. Ouais. Bon bah génial. Donc c'est vraiment, vous l'avez compris quoi, c'est un objet de collection, c'est un objet à avoir chez soi dans son salon. Celle-ci c'est un objet unique. Et en plus c'est un objet qui sert parce qu'on peut jouer avec. Donc c'est de la déco. Pratique, c'est mieux qu'un flipper parce qu'il y a encore plus de jeux. Ah bah là c'est sûr que c'est pas. C'est et peut-être qu'il y a des jeux de flipper à l'intérieur. Il y a peut-être des jeux de flipper à l'intérieur. Effectivement, si on peut ajouter quand même, là on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur, on a juste mis une lumière pour faire oh c'est joli. Mais effectivement, il n'y a pas encore l'ordinateur à l'intérieur pour pas que du coup la peinture vienne altérer l'électronique. Et on rajoutera un truc en plastique sur le bord pour faire joli, pour pas voir le bois. Exactement. Ça fasse quelque chose de fini. Ensuite, les joysticks, les boutons, l'écran. Alors, l'écran ne sera pas peint, bien sûr. Là, c'était juste une vitre pour protéger. Il y aura vraiment un véritable écran avec une console à l'intérieur et plus de 4000 jeux rétro gaming. Alors, on me dit qu'Artus est qui ça? Artus a signé, oui, aussi. Artus a signé. Oui. Il y a eu le joueur Rémi de foot. Rémi Camela, le joueur de foot également, qui a signé. Donc voilà, il y a quand même du très beau monde qui ont pu signer. Hein. En exactement. Plus de tous les streamers sur place. Non, mais c'est un super objet. C'est vraiment... c'est unique. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour celui qui va l'acquérir, et il a beaucoup de chance, je crois que la livraison est possible, c'est ça? La livraison est possible. Ok, très bien. Donc ça, voilà, c'est quand même important parce que même la Suisse, on saura faire, on se débrouillera. La Suisse, c'est jamais simple. Bon bah génial. Bon bah c'est bien. Du coup, on a toutes les infos. Au Canada, on sait ce que c'est. De gagner. On fera. Okay. Voilà, des solutions toujours. Bon bah on va pouvoir débuter les enchères pour cette super pièce. Eh ben merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, j'espère que vous avez eu le temps de vous inscrire sur Inter-Enchères parce que on va pouvoir débuter pour le premier lot. Le premier lot de la vente. Ouais. Je vous propose de débuter les enchères à 800 euros, parce qu'il faut bien commencer par quelque part il faut on va commencer par quelque part. Alors, si vous êtes d'accord, on commence à 800, ça vous dit? Eh bien, c'est toi qui sais. Eh bien, on commence à 800, on est déjà à 1651. 1600, incroyable. Allez, incroyable. 1600, 1851. Quoi? Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. 1851 et 2000. 2200. Allez, 2000, 2200. On continue, c'est bien, c'est le live à 2300. C'est incroyable. Et ouais, t'as vu, c'est dingue, hein. Et c'est un truc de fou de voir ces chiffres-là, c'est pour la bonne cause, en plus 2300 pour la borne. Incroyable. Mais on va dépasser les 2000, c'est déjà fait. Merci beaucoup. C'est
Et vous aussi, hein, vous pouvez tous, là, pour les quelques, personnes présentes, vous levez la main, c'est possible. Vous levez la 2500, main. C'est là. C'est incroyable. En live directement sur la plateforme Inter-Enchères. Merci 2600. De vous être inscrit. 2600. C'est un truc de fou. C'est un truc 2600. De fou. L'enchère est là, toujours sur Inter-Enchères, toujours avec vous en live, en direct. Ils nous ont retrouvés sur Inter-Enchères. C'est quand même bien. C'est pour complètement unique. Hein. C'est là avec Johan. C'est à 2600 €. Alors, Johan, pour l'instant, on est avec vous. On est tous les deux, enfin tous les trois, tous les quatre. Est-ce que quelqu'un va enchère à 2700? On va compter jusqu'à 3. On voit, et il y a de plus en plus de visiteurs. Oui, oui. Il y a de plus en plus de visiteurs qui sont en train d'arriver, donc c'est pour ça qu'on fait patienter aussi, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de visiteurs qui arrivent. On va dépasser la centaine exactement, de personnes 2600. Intéressées par le bien. Là. Yes. Ouais, ouais. On dépasse la centaine là, à l'heure actuelle, c'est incroyable. 2800, c'est Sonia qui arrive. C'est pour la bonne cause. Johan, est-ce qu'on revient? Est-ce que Johan revient à l'attaque ou pas? Pour l'instant, c'est Sonia. Johan est là. Johan revient. 2900, c'est fou. Un combat entre Johan et Sonia. Je sens l'expérience, le truc est chaud. Le truc est très chaud. Mais est-ce que quelqu'un, je pense à Sonia, va peut-être cliquer pour aller à 3000? Est-ce qu'elle revient, Sonia? Sachant que on est sur des tons super jolis et tout. Elle est super. Avec énormément d'easter eggs. Il y a aussi des couleurs fluo, donc si jamais vous avez une salle avec des lumières un peu bleutées, ça luira dans le noir, bien sûr. Tout ce que vous voyez en gros, c'est un petit peu fluo, c'est des lumières qui sont néons. Pour l'instant, c'est toujours Johan. Sonia a disparu. Alors, est-ce qu'on va adjuger à 2900? C'est-à-dire t'en penses quoi? Là, moi, je pense qu'on peut encore attendre un peu. On attend un peu. 3000, c'est Steve. Voilà, 3000 euros. On applaudit Steve. 3000, allez. 3000, Allez, est-ce qu'on peut faire plus que 3000, là? On peut faire plus que 3000. J'en suis sûr. Moi aussi, j'en suis sûr. On a encore Sonia et Johan qui sont pas très loin. Premier degré, je suis pas très loin. C'est un truc de fou, t'es ému. C'est sur Inter-Enchères. Tu vois ça dans ton travail. Bah ouais. Il voit ça en direct. On laisse encore du temps, Inscrivez-vous sur Inter-Enchères parce que c'est pas comme sur eBay, là ça se joue maintenant. C'est-à-dire que dans deux minutes, c'est fini. On attend encore un petit peu parce que vous n'êtes pas forcément tous habitués. Mais on est là. Donc je rappelle que c'est une promesse, ça correspond à une promesse de don, vous engagez hein, quand même. C'est pas, bien sûr. Hein, c'est pas des mains jetées en l'air comme ça pour rigoler. On est sérieux un peu. Non, et puis ça s'ajoutera, rendez-vous compte, ça va s'ajouter à la cagnotte globale. 3000. C'est important. Oui, si je peux dire aussi, je fais de la promotion Sonia sur mon stream, je me permets. Non, on est toujours mais s'il y a vous. Des gens qui font ne serait-ce que 1 euro sur mon don, vous avez votre pseudo sur la bande d'arcade. Ah oui, on peut rajouter. On peut rajouter des choses. Je pense que l'acquéreur, on lui on peut rajouter des choses. 3100. 3100, bravo. Et 3300. Oh, Sonia qui est arrivée. Il y a un truc qui se passe. Il y a Sonia, il y a Johan qui était là, qui avait le lead au départ. Maintenant, c'est en train de changer. C'est Sonia qui est là, qui Sonia prend le terrain. Elle est sur le terrain, 3300. Sonia. 3300 €. C'est incroyable. Allez, Johan, Steve, on vous attend. Moi, mais... J'ai pas le droit au marteau parce que je suis pas commissaire-priseur. Ah oui. 3500, c'est Johan. Johan qui revient, 3500. Moi, je vous propose un truc. Je sais que dans 3 lots, on va passer le marteau du destin. Okay. Si on dépasse 4000 € là, je tape le troisième lot avec le marteau du destin. C'est le marteau du destin de... Qui est là-bas. T'as le droit de faire ça. Ok, on fait ça. Le marteau du destin donc, de World of Warcraft, les amis, une arme emblématique d'un jeu. Voilà. T'imagines, tu fais jamais on dépasse ça. Les 4000 €, je prends le marteau, je viens, je tape. C'est incroyable à voir. C'est l'un des objets à vendre aux enchères. Ouais. Et c'est un des objets à vendre derrière. Ce serait incroyable. 3500, je dis à 4000 €, je vais chercher le marteau. On peut continuer, il y a des visiteurs qui sont en train d'arriver. Johan, c'est vous pour l'instant, c'est Johan. Il y a peut-être Steve qui va revenir. Hein. Ben, et Sonia aussi, elle est pas loin, moi. Je suis sûr qu'elle est pas loin. Tout à l'heure, tu as ajouté quoi? Tout à l'heure, tu as ajouté que ça pouvait être fluo si tu avais des lumières exactement, bleues. Donc ça peut être très bien aussi dans des lieux autres que privés. Ça peut même être utilisé différemment si on a envie, tout à fait. La décoration. 3500, bon. Et on a aussi... On est toujours à 3500. Après, tu as rajouté... il commence à prendre le marteau. Je vais prendre le marteau. Attention. Attention, on laisse encore quelques minutes. Les choses deviennent sérieuses. C'est ma dernière chance. Attention, 3500, Sonia. 3500 pour Johan. Attention. C'est Johan pour l'instant. C'est Johan. On garde. Attention, tu vas taper où? Je vais taper où? Je sais pas. On va se mettre bien. On va se mettre là. On va se mettre ici. Attention. Attention. 3700. C'est Sonia. Sonia, 3700. Je repose. Je veux vous entendre à 5 enchères maintenant. Ah oui. C'est Sonia, à 3700 €. 3700 €. À 3700, c'est non, toujours c'est... avec Sonia. Je suis trop content. On a besoin d'un gros plan ici. On a doublé ce que j'espérais. L'émotion est ici. Là, il faut regarder. C'est Sonia.
Johan. Ah, vous savez pas à quel point ça me rend heureux. Bah t'as raison, c'est normal, t'as fait un travail génial, c'est normal. Ce sera quelque part, quelqu'un. Il y a une nouvelle enchère. 3900. D'un nouvel acquéreur, ça a enchaîné tout de suite. Donc là, on a dépassé les 4000. Sonia, ça veut dire quoi? 4100 pour l'instant. 4100. Bravo. Et 4300. C'est 4300, Steve, qui revient. Merci. Mais c'est un truc de fou. 4500 de Sonia. Mais c'est une bagarre de fou. 4500, c'est Sonia pour l'instant. Si ça continue, je vais vraiment pleurer. 4500. Allez, on laisse le temps. C'est pas terminé. On peut encore. Vous pouvez encore le faire. Ça le vaut parce que c'est pour la bonne cause. C'est pas qu'un objet. Mais c'est un objet qui a une histoire. Moi, je crois qu'on peut arriver à 5000. On peut le faire, les 5000. On peut le faire. Allez, Sonia. Juste là. Hein. Allez, juste là. Incroyable. Il va y avoir le nom. Je pense qu'on pourrait faire un truc sympa. C'est de mettre le nom de ceux qui ont enchéri. Ah oui, ceux qui ont beaucoup enchéri, qui étaient prêts. Les trois gars qui étaient à la fin, je pense qu'on peut mettre leur nom dessus. Bien sûr, la bataille. On va noter leur prénom. Donc il y a Sonia. Il y a Sonia. Sonia, déjà, qui pour l'instant, eh bien, c'est pour elle. Et puis on mettra 500 euros. Et je pense que c'est pareil. Si c'est Sonia qui l'a, on mettra Sonia en très très gros derrière. Avec un petit message d'amour. Bien sûr. Tu vas. Je me permettrai de l'écrire. Là, c'est la moindre des choses quand même. Avec grand plaisir. 4500. 4500, t'as vu, t'as posé le marteau. Attention, tu reprends le marteau dans la main. Il reprend le marteau dans la main. Il le reprend. On est en train de préparer. Ça peut taper là. 4500. On commence à y aller. 4500. Attention, on laisse encore quelques dizaines de secondes maintenant. Quelques dizaines. On fait un décompte. 9. Tous ensemble, on va faire un décompte, attention. On commence. 9, tous ensemble. 9, 8, 4700. Bravo, c'est là. Ça s'arrête la mer. Bravo, merci. Oh là là. Allez, on continue le décompte. Je sais pas si vous entendez 4700. Dans le live qu'il y a des gens. Tu peux faire un plan sur les gens. Ouais, je pense. Tu peux faire un plan sur les gens. Il y a des gens qui sont là, ils gueulent à chaque enchère. 4700. Allez, 4700. Sonia. Sonia, ça me... tu sais que je reprends le marteau. Je m'attache à Sonia. Bah ouais, moi, Sonia, je m'attache à Sonia. C'est Sonia. 4900 de Sonia. Bah 4900. Il va falloir dépasser les 5000. Si ça dépasse les 5000, je veux vous entendre. On est à 4900. C'est Sonia. Attention que ce soit clair. À 5000 euros. Et Lyoma, elle est passée où? Je sais pas. Elle était là. Elle va revenir. La personne n'est pas loin. Donc. 4900, on va prendre le marteau. On va prendre le marteau, pour l'instant c'est Sonia. Oh, attention. Il va falloir mettre une fin à cette enchère un jour ou l'autre. Attention, on fait un décompte. Attention, on va commencer à faire le décompte. Il va falloir y aller. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue alors. Cette dernière seconde, c'était la seconde. C'était juste avant. C'était Johan. Juste avant. Juste avant. 5000 euros de Johan, juste avant. Juste. Il était là comme ça. Ah là là, Sonia. Oh non, c'est Sonia, terrible. Mais je me sens mal pour Sonia. C'est terrible. Moi, je vais pas bien non plus pour Sonia. Oh Sonia, non. C'est Johan. Oh bah Johan, bravo. Johan a arrondi quand même. 5000 euros, c'est un score. Tout à l'heure, on était là à dire que si ça dépassait 4000, je faisais un truc. Là, ça a dépassé 5000. Tu fais quoi? Oh mon Dieu. Je fais le poirier. Je ne sais pas, mais je ne sais plus quoi faire. Là, le poirier, c'est au-delà de toutes mes espérances. On prend le poirier. Et cette fois, ça va être avec Johan qu'on va être jugé. Tu te rends compte que toute cette séquence, la personne qui va acquérir aura aussi l'histoire de ce moment qu'on Johan est en train de vivre. Oui, c'est là que ça se joue. Cette fois, c'est pour c'est Johan. C'est pour la bonne cause. Attention, on est reparti. Et j'adjuge. Attention. 5. Ça, à 5. Sonia qui revient. 5200. 5200, Sonia qui revient. Et on va refaire un petit décompte du coup. Alors on va faire un décompte parce qu'il faut que ça se bagarre. Ça se bagarre, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois j'y vais. C'est terminé, c'est Sonia. 5200 euros, ça va. J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, je sais pas, c'est vraiment très émouvant. Merci beaucoup Sonia. Oh là là. Incroyable. Ok, ça y est, je commence à chialer. Bravo, Sonia. Bon, c'est un beau score. Tu pourras acheter une lumière noire aussi pour vraiment révéler la borne d'arcade dans toute son ampleur avec la lumière fluo. Bon, je pense qu'il faudra faire un petit message pour Sonia derrière. Et nous envoyer une petite photo avec
ton salon ou je ne sais pas où est-ce que tu vas l'exposer, mais merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Waouh, on mettra Sonia, un petit message pour Sonia derrière. Merci Sonia dans le chat, vous pouvez y aller. Vous faites des merci Sonia, bien sûr. Alors, il n'y avait pas que Sonia qui était prêt. Non, il y avait Steve, il y avait d'autres gens. Il y avait aussi Johan, il y avait aussi Liona qui a joué une grosse partie de. Vous me donnerez la liste des donateurs pour que je les mette en remerciement. Je te mettrai leur prénom comme ça, tu pourras. Et Sonia, bien évidemment. Merci encore. Ça ne s'arrête pas, on en a d'autres. Et on poursuit avec la ligue. Merci Bruno. La ligue des cosplayers extraordinaires. Alors je ne sais pas où ils sont, je les ai vus tout à l'heure par là-bas. La ligue des cosplayers extraordinaires, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. On va les faire venir. Est-ce qu'on peut avoir des piles ici, s'il vous plaît?